Eh bien, salut tout le monde, c'est Mario. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 25 de Pokémon Prisme. Et donc, la dernière fois, on s'était laissé dans la centrale. Même si, entre-temps, j'ai commencé à record l'épisode spécial pour les missions 2013, 2014 et 2015 de Noël de la version Prisme. Donc, j'ai pété un câble, on va le dire ça. J'ai 1h30 de record derrière moi, donc vous... Donc si je suis un peu fatigué sur la voix, c'est normal, hein, ça fait 1h30 que je commente. Et j'ai avoir c'est 1h30 à je dois avoir au moins le double pour terminer l'émission qui manque parce que j'ai pas terminé l'émission bien sûr. Donc vous aurez ces épisodes là durant le week-end, donc demain après demain. On va voir comment j'arrange ça. Donc ce sera bourré d'ellipses parce que clairement il y a des moments où je tourne en rond. Hein, pour chercher tout le tralala. Donc apparemment il y a des gens. Ouais, pourquoi je ne t'attaque pas? Parce que tu n'en vaux pas la peine. Mais puisque tu as l'air d'inciter. Ouais, donc il y a la team infinie sur la centrale. Donc apparemment ils avaient prévu notre arrivée pour couper la centrale, parce qu'il fallait que on coupe la centrale pour couper les ondes qu'émettent la tour à l'avant-ville, avec leur boîtier là qu'on peut pas enlever. Coup double. Il fait quand même très mal. J'espère juste qu'il va pas me faire un truc genre explosion. Ça me ferait assez chier, je vous l'avoue. Bomberk aussi, ça me fait chier en fait. Et il fait très mal. Il fait très très mal. Ça ne l'affecte pas. Au moins là on est bien. C'est l'avantage du type acier. Voilà. Sachant que lui il a un double type, donc derrière tu tapes avec de l'électrique, c'est cool. Oh, il rapporte masse fric. Enfin elle, c'était une meuf, je crois. Je sais pas trop, le skin était assez ambigu. Alors, on va le heal tranquillement. On va heal tout ça. Ah, bah non en fait non. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un œuf avec moi, parce qu'entre temps j'ai récupéré un œuf, vous verrez dans l'émission un peu spéciale. Récupération de... d'accord, cool. On t'éclate la tronche et puis c'est tout. Alors, Spear Infini. Un sécateur. Ça peut être... non, c'est pas du tout intéressant en fait pour Lucario. Il risque de prendre assez cher. Envoyer roue carnage. Lame d'air, si tu veux. What, il fait très mal avec lame d'air lui. Il fait très très mal même. Ok, on va se heal. En espérant qu'il ne me fasse pas de coup critique. Sinon on est dans la merde. Ou qu'il ne m'apeure pas aussi, parce qu'il peut très bien m'apeurer cet enfoiré. Il a fait plus de dégâts la deuxième fois que la première fois. Allez savoir pourquoi. Ok. Là je pense que, voilà, Carnage monte de niveau sans trop de pression. Xatu. Xatu. Alors Draco Feu du coup. Ah c'est vrai que j'aurais pu envoyer Manichi. Bon c'est pas grave. Ah ouais merde. Non ça c'est pas cool par contre, pression. Ah ça va, il fait pas de dégâts, what? Bizarre, le Xatu il a fait nos dégâts limite. Ce pression c'est censé être une attaque avec 120 de dommages je crois, ou 140 je sais plus. Donc c'est assez violent de base. Ok. Ih, ça va péter. Ouais bon. Hop. Tu crois vraiment que je vais te laisser passer? Ben en fait de toute façon je vais passer, tu vois. Donc t'as pas trop le choix non plus. Sbire Infini. Alors il a un skin différent mais ça va. Il est pas trop puissant. Alors par contre ça me fait un peu chier parce qu'il a quand même l'avantage sur moi cet enfoiré. Parce que je crains quand même les attaques combat. Ok, il a foiré son attaque, c'est cool. Draco choc. Non, je voulais faire aura sphère. Tant pis, c'est pas grave, ça passe quand même. Arbok. On va faire intimidation. If you want. Ouais, bof, c'est pas... Oh genre il a boubon, bleu machin.
Ah, je fais quand même masse dégâts, hein, malgré l'intimidation. Oh, nice. Ça, c'est nice. Bah voilà. Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Bon, ne casse rien. Hein? Ouais, ouais, ouais. Ils visent tout ça et puis... Ah bah... Je suppose que la team infinie ne t'a pas trop... Ne t'a pas trop, ouais, c'est ça. Donné de fil à retordre. Par contre, les employés de la centrale sont devenus fous. Le rayon des ondes s'est encore agrandi. Bon, je vais éteindre cette centrale moi-même. Et zut, la machine est piégée. Celui qui essaye d'éteindre la machine est sûr de prendre un gros coup de jus. Bon, dans ce cas, il ne reste qu'un seul moyen d'arrêter tout le système. Tu devrais reculer aussi. Et faire un gros boom. La mantine, à toi de jouer. Allez, gèle-moi tout ça. Ah bah non. Un membre de la team infinie s'est enfui. Un second aussi. Ainsi que le troisième. Oups, je crois que je viens de tout couper. Chef, je viens d'apprendre qu'il n'y a plus d'électricité dans tout Kanto. Et concernant la machine, bonne nouvelle, celle-ci s'est arrêtée de fonctionner. Ah ah ah, mais quelle excellente idée j'ai eue. Attendez chef, j'ai une autre bonne nouvelle. Shira tentait de s'enfuir en hélicoptère sur le toit du centre commercial de Celadopol. Et un fou fur, je veux dire, et l'admin Joey lui a tiré dessus avec un de ses Pokémon. Ouais genre, pouf, revolver quoi. Excellent, il aura droit à des biscuits pour cet acte. Vous avez arrêté Shira? Non, malheureusement, mais cette dernière va tenter de s'enfuir en détournant l'océan. Ah, enfin on va à l'océan. Dans ce cas, nous devons nous rendre à Carmin-sur-Mer et la stopper. Pour la centrale, nous verrons plus tard. Lamantine, très bon boulot, reviens. c'est tout bleu. L'écran bleu, c'est très sympa. Ok, bon bah go sur Carmin-sur-Mer. Ça va, je trouve que j'ai encore la patate. Malgré les 1h30 de record où je commençais à péter un câble à la fin. Je vous jure, à la fin j'étais fracas, j'étais mort. Allez, c'est parti. Tintintin. Surtout que demain j'ai un live. Oh là là, demain. Demain, oh là là, je vais être mort demain. Entre les cours et le live, je serai HS. Bref. Ah, l'œuf est clos. Ok, sans pression. C'est quoi? Oh, ça doit être un œuf de queue d'oiseau. Vous le sentez le truc? Ah, un Givrali. Ouf. Ça, c'est cool. Ça, c'est un bon Pokémon. Bah, Givrali. Ça, c'est cool, par contre. Ah, il y a un objet. Ok, on le prendra la prochaine fois. Oh, ça, c'est nice, par contre. Un petit Givrali comme ça, des familles. Ça, c'est cool. Faudrait que je le fasse XP. Excusez-moi, nous avons un problème. L'océan subit une attaque, je vous en supplie. Vous devez éliminer ces mécréants. La meuf elle s'enfuite. Non. Ah. Ah bah, je déteste les bateaux. Bah c'est con alors. T'es un peu mal placé ma gosse. Ma gosse. Ouais ma grosse je voulais dire. Mais bon c'est pas grave. Ouais c'est vraiment. Ouais c'est le skin féminin pour les sbires infinis. Ok. Magnéton. Kuba. What? Genre tu fais autant de dégâts? Ouais. Ça sentait le critical parce que en vrai tu fais pas ça mon gars. Bon, je te dis on va se calmer direct. Allez normalement je te one shot sans trop de pression, ça devrait aller. Le mec ça il sent plus là, il a un magnéton, c'est bon. Allez, on va niquer tout le monde. Givrali. 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 Jet de sable, très utile. Waouh. Explore plan. Comment je vais battre cette merde en vrai? C'est ce que je me demande. Nos dégâts, limite, ok. Ah non, ça c'était pas... Ah non, en fait non, c'était pas malin ce que j'ai fait. Fais dans slam si tu veux. Du moment que tu me tapes pas, t'as pas le temps de me taper, c'est pas très grave. Oh my god. Nos dégâts. Allez vas-y fais mal. Dis-moi que tu fais mal. Tu fais plus de dégâts avec vol.
Ah, à peine. À peine plus de dégâts, c'est la tristesse quoi. C'est la déchéance. Oh là 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 là. Bon, on va le gagner, mais bon, c'est assez chiant. La méthode dont on le gagne. Fais demi-tour si tu veux. Par contre, ouais, ça fait plus de dégâts que les autres attaques. Allez, au revoir. J'y rallye. Ah, il a pris qu'un level, dommage. Bon, au moins, il nous rapporte du fric. J'aime beaucoup la musique. Merde, boulet. J'ai pas fait exprès. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on affronte? Oh, un malos, ça peut m'intéresser par contre. Pile poil, j'ai juste le temps de le paralyser. Oh non. Oh l'enfoiré, il s'est taillé. Bon, tant pis. Tant pis, on aurait pu avoir un malos. C'est cool ça comme Pokémon, j'aime bien. Ténèbre combat, ténèbre combat. Ténèbre feu, c'est sympa. Après moi je raisonne en termes de type et tout, enfin c'est vraiment au feeling hein, les Pokémon. Hein. Si tu gagnes, tu rentres dans la team infinie. Ouais bah pas de problème mon gars, je vous éclate tous quand je veux. Absol. Ah bah nickel. Ah bah non. C'est vrai quoi, du coup on a mis Givrali devant. Lucario. Kuba. Très utile, très utile. Close combat, one shot. Oh non. La tristesse du mec qui fait détection quoi. Allez, bisous, bye bye. C'était très sympa de t'avoir battu. Au moins ça nous fait une petite séance XP, c'est pratique. Ça nous fait monter Givrali de level aussi. On va continuer XP Givrali hein, clairement. En plus, Lucario a vraiment l'avantage des types pour le coup. Pourquoi j'ai plus que... Ok, j'ai plus de PP pour close combat. Ça, c'est la tristesse par contre. On va devoir utiliser une huile qu'on a eu tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Que vous verrez que j'ai eu demain, mais moi, je l'ai eu tout à l'heure. En gros, c'est ça. Je l'ai eu pendant l'émission de Noël, quoi. Alors... D'ailleurs, attendez. Parce que clairement... les devs... J'ai pas sélectionné l'attaque. Ça ne marche pas. Non. Les PP plus sont buggés. Non. Non. Putain, merde. Non, c'est la tristesse quoi. Putain, sors Pokémon SDK, tu fais chier. Que Kyogre soit témoin. Que Kyogre soit témoin. Je vais me les faire. D'accord. Oh, mais il a pas gerbé le capitaine. C'est triste. Par contre, il y a un téléphone. Ok. Putain, faut falloir que je me tape toute la team quoi. Bon, en même temps ça fait de l'XP hein, mais allez, le générique, enfin l'animation pour les sbires de la team infinie, c'est un peu long. Non, faut que j'arrête de dire, faut que j'arrête. En vrai le mec il est trop pressé, c'est juste que je suis trop pressé, c'est tout. En vrai on voudrait dire que moi limite je ferais le jeu sans les animations, tu sais, je voudrais juste l'histoire. Juste l'histoire avec les fights et puis c'est tout quoi, comme ça tu rush le truc. Allez, bisous, bye bye. Voilà. C'était très compliqué. Ah merde, il a peau dure. Bon, c'est pas grave, ça fait nos dégâts. Vent glace, ça c'est cool. Coup de main, ça sert à rien. L'attaque le plus inutile au monde avec trompette et tout ça. Tentacruel. Alors, Tentacruel... Oui, c'est très stratégique, j'envoie Drac au feu.
J'ai vraiment pas fait exprès en fait. J'ai complètement misclic quand j'ai envoyé Draco au feu. C'est pas grave. Non. On l'a tenté au cas où. C'est pas grave, si je réénerve rappel, c'est pas très grave. Je tentais un coup de poker, tu sais. Je me suis dit autant ça passe. Bon, on est sur ce, le one shot. Oh. Genre un tentacruel, c'est trop rapide quoi. J'avoue que Tentacruel est plus rapide que mon Dracofeu, c'est assez étrange. On va se calmer avec Hydrocanon quand même. What? Ok, le truc fait masse dégâts. Le truc fait masse dégâts et une défense de malade. Je déteste ce Pokémon. C'est vraiment Tentacool et Tentacruel, c'est vraiment des Pokémon que je n'aime pas du tout. Pourtant, voilà. Alors. Ouais, j'ai la flemme d'utiliser des potions et tout, du coup j'utilise une arbre rappel. Ensuite nous avons... On a chopé une potion. Je sais pas où j'ai chopé une potion, c'est pas grave. Et vous voyez, j'ai chopé plein de super bonbons aussi en voulant faire la quête de Noël. Au milieu il y avait ça, du coup j'ai pris. Alors, ah, donc apparemment fallait aller par là, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas vu qu'il y avait une salle en fait. C'est le mec qui a parlé de du chef, du coup j'ai vu qu'il y avait une salle. Sinon je serais passé devant, j'aurais continué à explorer le truc sans trop de pression. Alors Givrali, je le ferai XP en off. Même si là, je vais être franc, hein, pour le moment je vais pas avoir trop de temps de faire de l'XP en off. Parce que du coup, si vous avez pas suivi, il y a le live du coup demain, enfin ce soir au moment où vous verrez la vidéo. Donc il y a le live ce soir même. Pour l'ouverture de la cité des neiges qui n'est... What? Ok. Donc il y a une ouverture, l'ouverture de la cité des neiges. Donc du coup il y a la cité des neiges, ça veut dire. Donc ça va... Non mais... Oh, nique ta mère. Je te jure, le jeu franchement la nique ta mère. Putain. Donc ça veut dire que je vais être pas mal de temps sur la cité des neiges. Je vais farmer les émeraudes. Parce que je pense que ça va fonctionner un peu comme tout. Ça va être... ça sent les ellipses et le montage. Ah oui, tout à fait. Donc ça va être plutôt compliqué. Alors ouais, non. Non, non, là ça commence à me casser les couilles et ma cogneur et tout. Les trucs ça te défonce alors que ça devrait pas quoi. Pisse, le truc il me fait un coup critique. Vas-y, tiens, je te nique. Ça c'est relou ça. Donc on va se calmer. Je crois que la truc dure quelques jours, genre 4 jours, une semaine, je sais pas trop. Je pense que ça tient, je pense que c'est 4 jours parce qu'après il y a Noël, tout ça. Ça doit durer 3-4 jours. Donc je vous tiendrai au courant, il y aura des lives assez régulièrement. On va se taper des barres, je pense. J'espère le faire avec 2-3 potes, on verra en même temps. On sera en combo, tout ça. Je pense qu'on... pourrait potentiellement même faire notre base avec nous, enfin on fera juste notre base ensemble, on se calera ensemble du même coin quoi, mais vous inquiétez pas, on cheatera pas, on sera pas alliés entre guillemets, on va pas se partager les émeraudes, on va juste se mettre dans un coin ensemble pour faire la game ensemble je pense, on verra, bon c'est pas encore fait hein, mais on verra, je pense qu'on va faire comme ça. Je vais essayer de me renseigner avec les membres qu'il y a d'ailleurs, qu'il y a déjà dans le... C'est pour ça en fait que je checkais Skype en fait tout à l'heure. C'est pour voir s'il n'y avait pas le mec justement, le gérant qui m'avait add sur Skype. Hop. Donc apparemment c'est par là, on va tout visiter. Ok, on peut... Ah si, on peut. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Ah par contre, ouais, il faut appuyer pour rentrer. C'est assez étrange. Mais comment ça marche d'habitude? Ok. Alors moi je veux tous me les faire. Donc bon voilà. Alors par contre ouais, on s'en fait encore un. Ouais, on se fait juste celui-là et puis après on va dans la salle principale. On va dans la salle là où il y a le boss. Pour pouvoir terminer la mission. Avant la fin de l'épisode, ce serait cool. Oh, l'encatané de Témor. Ah, putain. Oh, le mec relou. Tu veux pas mourir sans deck?
Oh, le truc fait riposte en plus. Mais tu peux pas me tuer sans déconner. Oh là 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 là. Le truc a pas d'attaque. Vous allez voir, c'est un Pokémon troll qui a pas d'attaque. Il a que riposte, ce couillon. Oh là 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 là. Prélèvement destin, ouais. Et moi, vu les dégâts que je fais, laisse tomber, quoi. Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Alors vous savez quoi, là je vais vous faire une légère ellipse, je pense. Si j'y pense, je pense que... Oui, je vais faire le montage directement ce soir pour que j'y ai pensé. Non mais parce qu'en vrai c'est infâme. Bon, allez, à tout de suite. Oh putain. Non, j'allais dire en plus finalement, ouais non, peut-être pas besoin de montage finalement, mais... En fait ce Pokémon est un abruti. Voilà. Ah bah putain, ça y est. Ouh. Donc c'est bon, finalement il n'y aura pas de montage. Bon, vous aurez un moment où je parle pas. J'espère que ça vous dérange pas, que ça vous dérangera pas trop. Y a pas un... Normalement il y a un rappel qui traîne. Voilà. Bah, fais voir le miroir si tu veux, si t'as du temps à perdre. Pff, allez, j'espère qu'on va lui faire des dégâts quand même, parce que... Pff, ce sac à PV, j'en ai un peu marre. Voilà. Allez, culbuto, ok. Ciao. Le Pokémon relou, quoi. Allez, on va se taper le boss, du coup. Je sais pas où il est, je sais pas s'il est là. Oui, il est là. Nickel. Tiens donc, regardez qui nous avons là, mon cher binocle. Je ne vois que le mur, Dame Shira. Mais non, mon cher, à votre droite. Oh, mais qui est ce jeune homme? Je vous présente Maver. Souvenez-vous, je vous en avais parlé de lui. Maver, voici l'admin binocle. Alors, c'est toi qui embête Dame Shira? Du calme, mon ami. Nous allons tout simplement nous débarrasser de ce gêneur et l'emmener au QG. Laissez-moi faire, Dame Shira. La team Nebula... Ne va pas tarder, profitez-en pour rentrer. Très bonne idée mon ami, amusez-vous bien. Ah Maver, je te garantis que tu vas me payer la casse de ma machine à ondes. Allez, ciao. Très bien, il est temps que... Je disais donc, il est temps que je te fasse comprendre qu'on ne doit pas gêner Dame Shira. Ah, finalement on n'affronte pas Dame Shira, on affronte le mec qui voit que dalle. Qui a un métamorphe. Est-ce que c'est un troll? Je vous demande si ceci est un troll. Non mais... Alors par contre ça me fait chier qu'à chaque fois le métamorphe il pompe tes stats quoi. Du coup il m'a... Voilà. Non mais ça c'est honteux ça. Ce Pokémon il est honteux quoi, c'est de la merde. Nique ta grand-mère quoi. C'est désolé mais alors là... Voilà quoi. Plus relou il n'y a pas quoi, ce Pokémon vaut rien du tout quoi. Je crois qu'il n'y a que sur Pokémon Prism en plus qui te pique tes stats en plus le truc. Donc vous voyez, hop là. Mais what? Mais what? Un métamorphe me fout la pâtée, c'est n'importe quoi. Merde, j'ai dû faire lance-flamme, boulé. C'est n'importe quoi. Un métamorphe en vrai normalement ça a pas de stats quoi. Allez. C'est infâme ce truc. Je crois qu'il y a que avec ce... le logiciel. Enfin pas le logiciel mais le pack en gros avec quoi ils ont fait le jeu quoi. Il y a ça quoi. C'est que avec ce pack là. C'est relou quoi. Je sais pas exactement le terme qu'il faut utiliser vous voyez mais je pense que vous avez compris quoi. Ça c'est relou quoi.
En vrai, le métamorphe, ça te pompe tes stats. Je crois pas que ça pompe tes stats quand ça fait morphing. Ça pompe juste les capacités, c'est tout, quoi. Allez, au revoir. Trop de Pokémon gênants, là. Nostanfer. J'ai pas d'attaque... Oh putain. Alors là, ça devrait faire masse dégâts avec Brasier. Ouah, même pas. C'est bugué. Alors par contre, j'ai plus de racines énergie, ça c'est assez problématique. Faudra qu'on aille en racheter. J'irai un peu plus tard. J'irai en off. Si j'y pense. Oh merde. C'était tellement prévisible ça. Allez, Ariyama, ben on n'a pas le choix. Sinon on est un peu dans la merde. Allez. Oh putain, il fait pas de dégâts. La violence. Allez, on prend cher. Là, clairement, on va prendre cher. Hydrocanon. C'est même pas une question de level, parce qu'en vrai ils sont carrément prenables, quoi. C'est juste que... Pff. What? Ouais, si, il y a un peu de level quand même. Oh non. C'est moi ou le jeu adore te troll comme ça, là. Pff. Allez, normalement ça le tue. Voilà. Alors par contre, ouais, toujours la logique, le truc rapporte à peine 1000 d'XP. Non, non et non. Je ne vais pas me laisser vaincre. Ça va être encore la mèche avec sa coupe parfaite qui va la ramener ensuite. La dune préférée de Dame Shira, ça sera moi. Et je le deviendrai en te ramenant au QG. Capture-le. Qui a fait ça? Il est interdit d'attaquer les amis de mes amis. Mewtwo. Alors comme ça, c'est le mot... What? Alors comme ça, le modèle de la team infinie est du côté de l'ennemi. Je te conseille de fuir très rapidement. L'attaque de l'océan n'était qu'une diversion pour permettre à Dame Shira de s'enfuir à bord d'un autre hélicoptère. Vous avez peut-être été à arrêter nos plans à Kanto, mais nous n'avons pas triomphé de la team infinie. Vous n'avez pas triomphé de la team infinie. Je me disais, ça n'a aucun sens. Nous nous reverrons. Ok, donc apparemment, on les reverra plus de sitôt. Mabel, je suis Mewtwo, un ami de Blue. Ravi de te rencontrer, je te remercie pour ce que tu as fait ici, ressortons, nous sommes attendus. Ha ha ha, excellent travail Mewtwo, et bien sûr toi aussi Mother. En effet chef, nos pertes sont estimées à zéro. La machine à ondes ne fonctionne plus et Shira est en fuite. L'opération est un succès. J'espère juste un truc, c'est qu'avec SDK, ils pourront mettre genre là, par exemple, mettre une musique un peu épique, tu vois, pour te féliciter et tout, tu vois. Ça serait cool. Bon, par contre, il n'y a plus d'électricité, mais je compte sur les capacités de ma mère pour établir tout cela. J'en ai marre. Il y a encore moi qui me tape le sale boulot. Tant que j'y suis. C'est ici que tu avais affronté Joey à l'issue de ta victoire contre le Major Bob. Pourrais-je lui montrer qu'il ne vaut rien face à moi? Ah, cool, on affronte Nebula. Ah, par contre, SVP, est-ce que tu m'as healé mes Pokémon? Je pense. Oui. Oui, oui, il me les a heal. Alors là, par contre, ça va être compliqué. Genre, la musique est légèrement trop forte. Dans mes oreilles. Alors, ça devrait faire masse dégâts, hydrocanon. Oh non! Mais apprends à viser, sans deck. Allez, 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 allez. Oh non! Le jeu qui te feinte. Et non. C'est le Pokémon mortuaire en fait. Léviator, c'est le Pokémon mortuaire quoi. Allez, au revoir. Crustabri. Close combat. Oh non, Abri. Hashtag Pokémon relou.
Normalement je le one shot sans trop de pression. Même pas, tristesse. Ouais bon, on va les XP un peu quand même les Pokémon off je pense hein. On manque un peu de puissance. Ok. Blizzy. Bon, on va les Drac au feu pour le fun, même si en vrai Blizzy, je l'éclate. Mais au moins ça fait du x4 du coup je pense. Je crois que c'est ça hein. Glace x2 et plante x2 donc x4. Lipoutou. Bon, on va laisser Drac au feu. Ah. Ah. Ah, il va nous mettre mal un peu. Au pire c'est pas grave, on le terminera avec Lucario. Même si j'aurais bien voulu faire monter de level Drac au feu. Ah bah c'est bon. Combien est-ce qu'il rapporte lui? 1500. Fogler. Lucario. Attendez, c'est moi ou depuis le début du jeu il n'y a que des Fogler et pas de Kémorse? C'est assez chelou ça. Choix des devs. Normalement ben voilà, ça devrait pas trop trop me faire de dégâts. Sauf si ça fait des critical bien sûr. Voilà, combien il rapporte? 1450. Ce truc nous rapporte plus qu'un Ariyama. Faites la logique. Hé hé, ton niveau n'est pas mauvais en fait. Je comprends qu'il ait eu du mal face à toi. Quoi qu'il en soit, je souhaiterais te remercier en t'offrant ce petit cadeau. Après tout, il faut bien découvrir de nouveaux horizons. Une Master Ball? Non. Vous obtenez l'Unipass. L'Unipass te permettra de voyager jusqu'à la première île Sévie. Oh, nice. Je te remercie pour ton aide, Maver, et je te souhaite bonne chance dans ta quête pour devenir maître de Kanto. A ce propos, le champion de l'arène de Jadiel est de retour, peut-être tu devrais y faire un tour. Nous nous reverrons au plateau Indigo, mais ce ne sera pas moi le maître cette fois-ci. Je dois aussi te remercier pour avoir combattu la team infinie de toutes tes forces. Nous nous reverrons, Maver. Wow. Gros épisode, clairement. Très gros épisode. Donc on approche de la fin de la première partie du jeu on va dire. Après il y a les îles, après il y aura Johto, donc normalement pour 2016. Donc je pense que Johto je vous le ferai, j'appellerai ça Pokémon Prism saison 2. Les îles Sévie ce sera dans la continuation je pense, on va voir. La saison 1 donc ce sera Kanto Sévie, ensuite Johto. Bon, après ça dépendra de l'allure des devs vous voyez, mais genre normalement je pense que d'ici à ce que je termine les îles Sévie et tout, Johto sera peut-être sorti. Je me dis qu'il y a moyen que, donc ce sera dans la continuation, mais ce sera une saison 2 quand même. Mais bon, je pense qu'il y a moyen. Ça dépend s'ils arrivent à gérer SDK, tout ça. Bon, ça dépendra que de eux, je pense, après. Parce qu'il faut savoir qu'en même temps, ils continuent quand même à faire des mages, comme là, celle-là, par exemple, de Noël. Donc, bon, et SDK est pas sorti, donc bon, ils peuvent pas trop non plus s'atteler à la tâche dessus, mais bon. Ils prévoient quelques trucs déjà, genre pour la musique, voilà. Ils ont déjà prévu des trucs apparemment. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en l'air et partager la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude. À passer sur les réseaux sociaux, je suis plutôt actif sur Twitter que sur Facebook, je le redis, je suis sur Twitter quasiment tout le temps. Voilà. Allez, bye tout le monde.